De quel Orient nous parle-t-elle? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie. Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle quand elle évoque ses grossesses? Quatre bambins providentiels, élevés presque à l'aveuglette. Ses yeux bleu vert n'ont pas encore quitté l'Égypte de sa vie. C'est à jamais là-bas que dort la paix dont elle se nourrit. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit que poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle? Quel Orient nous parle-t-elle? La jolie dame au souvenir, la jolie dame au souvenir, qui a dû pardonner au ciel de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent, loin sur un autre continent, les rituels qu'on met des années à adopter, oui, mais pourtant, ce fut le prix de sa liberté. Les photos ont vieilli, le noir et blanc s'épuise, mais son air oriental est demeuré intact. Je la regarde si belle, petite et mystérieuse. Elle est la mère de ma mère, elle est mon enfance heureuse. Son accent comme un cri témoigne au temps qui passe qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme. Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière, l'exil.